What's up, Neiman? Yeah, yes, it's spectacular. Ce soir, j'ai bien l'impression qu'il va faire très chaud. Yeah.
d'accord. Thank you.
social de vous faire, dans la nouvelle que je vous faire. Où est ce que vous êtes mort? Vous avez envie de quoi, là? Vous allez, vous avez envie de quoi? Thank you.
Thank you.
one for the money, one for the show. Yeah.
certaines choses qu'on fait. Par exemple, quand on se retrouve l'hiver, de temps en temps, le groupe fait moi, je sais pas, quand on se retrouve à la radar, on prend le guitare comme ça. Puis on chante des chansons qu'on n'a pas tellement l'habitude de faire sur scène. Et puis j'espère que ça vous fait plaisir de présenter. Yeah.
chaud de Tennessee. Cette force qui nous pousse vers l'infini. Y'a peu d'amour avec tellement d'envie. Si peu d'amour avec tellement de bruit. Oui, quelque chose en Tennessee.
Parce que c'est ceux qui font le travail le plus dur, ce sont ceux qui montent le matériel le matin, qui font l'installation toute la journée. Après le spectacle, ils démontent tout le matériel, ils le mettent dans des camions et puis ils roulent toute la nuit jusqu'au prochain spectacle. C'est, je crois, ceux qui sont les plus courageux, ceux qui ont le plus de talent, c'est vos amis, mais les techniciens. Et alors sur scène, j'ai pas de lumière, le groupe et moi, vous ne nous verriez pas. Donc les lumières pour Bercy ont été créées par Jacques Roméronis et en tournée, elles sont réalisées par Régis Vigneron. Quelqu'un qui est très important dans ce spectacle, c'est celui qui a été l'ingénieur du son de plusieurs mes disques, dont notamment celui que j'avais fait avec Michel Berger, celui que j'ai fait également avec Jean-Jacques Goldman. C'est lui qui fait le son de la salle, c'est-à-dire s'il n'était pas là ce soir, vous ne m'entendriez pas. Il s'appelle Jean-Pierre Jadot. Un groupe et un chanteur sur une scène, si on n'avait pas notre son pour nous, on ne pourrait pas jouer. Celui qui fait le son pour nous tous les soirs, il s'appelle Jop Knappel. Alors maintenant, ceux qui font partie de moi tous les jours, c'est-à-dire ceux qui vivent avec moi, ceux qui travaillent avec moi, qui voyagent avec moi et qui jouent surtout sur scène avec moi. Au guitare, nous avons Robin Le Mesurier. Shane Fontaine. À la guitare basse, Phil Sousa. Nous avons quand même avec nous dans le groupe un Français. Mais oui. À l'harmonica, Christophe Dupeux.
extraordinaire. En af os.
Les amis, ils sont contents de vous faire ça.
Thank you.
en silence. Ça ne dure que quelques secondes. Et tu t'en vas dans ton monde. C'est avant ma distance. Où ton regard en dissidence. Et je vois passer une ombre. Quand tu me fuis, quand tu sombres, dis-moi. Yeah.
Le bon gars. Merci pour les heures sans plus, plus l'heure. Ça fait toujours plaisir. Bientôt, je ne saurai plus où les mettre, les heures sans plus, parce que je commence à l'arrêter, elles sont remplies. Et bon, elle est d'ici à d'accord, mais bon, il faut une chambre pour moi. C'est vraiment gentil, merci. De toute façon, vous êtes un public extraordinaire. Ce que je voulais vous dire, c'est que depuis le temps que je fais ce métier, je suis vraiment heureux de le faire, avec les bons moments, avec les galères, avec n'importe quoi, parce que vous êtes toujours là. Alors dans la vie, il faut savoir une chose, c'est que quand on aime quelqu'un, on peut toujours être déçu. On peut toujours, si c'est vrai, on peut toujours être déçu et la vie change. Mais la seule chose qui ne change pas, c'est l'amour qu'il y a entre vous et moi. Et la seule façon que j'ai trouvée pour vous remercier pour l'amour que vous me donnez et l'amour que je vous porte, c'est cette si belle chanson d'Edith Piaf. Je mourrai.
dans le bleu. De toute l'immensité dans le ciel. Plus de problèmes. Mon amour, crois-tu qu'on sait? Dans ma vie.